Mélanie Page avait déserté le petit écran depuis 2004. Elle signe son grand retour à la télévision avec la diffusion de la série L'école de la vie, sur France 2, qui est produite par Nagui, son conjoint. L'occasion pour la jolie blonde d'accorder une interview à Femme Actuelle. Maman de trois enfants, Roxane, Annabelle et Adrien, Mélanie Page est très présente pour eux. Être maman a été la chose la plus intéressante à faire dans ma vie. Nous sommes une grande famille et si on a pris la responsabilité de faire trois enfants si est-ce pour les voir évoluer, c'est m'occuper et les enrichir, déclare-t-elle. Des enfants qu'elle entoure au quotidien tout en respectant leur intimité. À l'image des sujets traités dans la série de France, Mélanie Page a abordé des questions délicates avec ses deux filles et son garçon et notamment celle du harcèlement ou encore du respect de son corps. Je leur ai appris depuis qu'elles sont petites que leur corps leur appartient. À mon fils aussi d'ailleurs, car malheureusement cela ne touche pas que les petites filles, explique la mère de famille, ils savent que personne n'a le droit de les toucher et qu'ils ne doivent toucher l'intimité de personne, que ce soit entre amis ou même entre frères et sœurs. Mélanie Page, je leur ai expliqué de ne jamais se taire. Mélanie Page a également tenu à ce que ses enfants soient conscients qu'ils peuvent lui parler de tout, au-delà de l'acte physique, je fais aussi beaucoup de prévention sur l'aspect psychologique. Je leur ai expliqué très sérieusement que s'ils ressentaient un malaise avec un adulte, si quelqu'un se comportait de façon étrange avec eux, de venir m'en parler immédiatement. De ne jamais se taire.